c'est correct, tu reviens là. Là, il y a de quoi. Ouais, qu'il va falloir se faire aider par quelqu'un de plus vieux pis de plus sale. Oh, j'ai la joie de l'instant, mais j'ai pas la responsabilité. Sais-tu quoi, papa? C'est toi qui devais nous surveiller aujourd'hui, fait que tu risques de te faire blâmer, toi aussi. Ah! Oui, mais je fais quoi? Patty va m'étriper. À moins que je la tue d'abord. Si je mets la dépouille dans l'auto, puis je la maudis dans le lac, puis je mets un CD de James Taylor dans le stéréo, que le monde pense que c'est un suicide. Pourquoi tu y coupes pas les cheveux pour autant peinture? Bon, si tu veux, ah ouais, amen. J'ai juste à couper jusqu'à ce que je frappe de quoi de solide. À ce temps, il faut juste que j'y annonce la nouvelle aussi doucement que je le peux. Réveille-toi, puis regarde-toi à tête! Ah! Ah! Qu'est-ce qui est arrivé à tes cheveux? Wow! Qui c'est qui m'a scrappé la coupe? Au niveau des coupes de cheveux, tu te dis deux, je suis non coupable. Sais-tu quoi? Je dirais que ça a de l'allure. T'as l'air de Porsche Spice. C'est drôle, c'est la coupe que j'essayais de faire. J'essayais d'y faire scary. T'as fait ça, toi? Avec tes petits doigts en boudin et ton cerveau de la grosseur d'une super balle. Que je te voie y revenir! Je t'assure que j'en viendrai jamais à dire ça. Homer Simpson, prends-moi. Pour me couper les cheveux. Oh! Oh! T'attends.